Parce que plus tard, quand j'ai revu Vic, il me disait, je ne suis pas dans le bon corps. 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 C'est la première chose que Vic nous a dite. Je ne suis pas dans le bon corps. Je ne suis pas dans le bon corps. Vic ne s'en est pas rendu compte tout de suite. Si bien que le jour venu, dans le secret de sa chambre, la reine met au monde un petit garçon. Non. Une petite fille. Non. Un enfant serpent. Serpent? Dévoile-toi. D'accord. Mais dévoile-toi d'abord. Ces jours-là, notre jeune chasseur qui marchait dans la forêt voit un serpent énorme, un serpent grand, un serpent noir qui lui barre le passage. Alors, sans hésiter, le jeune chasseur sort sa machette et d'un coup de machette, et il frappe le serpent et le coupe en deux. Allez! Norimalwebi! Norimalwebi! Est reconnu officiellement par la nouvelle Galles du Sud comme n'étant ni homme ni femme. Une première mondiale. Cette personne se décrit aujourd'hui comme anarchiste androgyne. 1572. Monsieur de Montaigne, dans ses essais, relate. Passant à Vitry-le-François, je pus voir un homme que l'évêque de Soissons avait nommé Germain en confirmation, lequel tous les habitants de là avaient connu et vu fille jusqu'à l'âge de 22 ans nommée Marie. Il était à cette heure fort barbu, vieux et point marié. Faisant, dit-il, quelque effort en sautant, ses membres virils apparurent. Il y a un homme qui débarque dans le village. Un homme vieux. Un homme aveugle. Un homme sans âge et au regard vide. Et son regard vide le conduit jusqu'à dans la maison de Titette. Arrivé chez Titette, comme l'avait la coutume, Titette l'accueille. Elle lui donne à boire. Elle lui donne à manger. Et après, elle lui dit, « Dodi, raconte-moi à l'étranger. Qu'est-ce qui t'amène chez moi ?» Maintenant, dévoile-toi. Dodi, le langage est la musique qui charme le serpent qui garde le trésor de l'autre. Il y avait trois espèces d'êtres humains. Adamanena, Adamadi, Suguya, Sabakumbi. Des hommes, hommes. Tiens, tiens. Des femmes, femmes. Mousso ni mousso. Et des hommes femmes. Ani mousso ni tiens. Ces êtres humains étaient drôlement bâtis. Baraka Kumbura. Ils avaient un tronc.